Coucou le Rav, coucou la Rediff, on est de retour sur... Attendez, j'ai pas préparé mon pitch. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Resident Evil 4. Voilà. Et hier, on avait... on était en train de se diriger tranquillement vers le lago... Estoril Lago. On était tranquillement en train de se diriger vers le lac et puis le mini-jeu. Et on va essayer de... On va, avant de reprendre l'histoire, hein, comme quelqu'un de normalement constitué qui veut jouer à Resident Evil, on va... Alors attendez. Option, plein écran, fenêtré sans bordure. Non. Plein écran, plein écran, plein écran. Hop. Plein écran, mais pas 164 FPS, putain. Tu vas voir, on va jouer à Resident Evil. Tu connais Resident Evil, David? Tu as quel âge, David? N'hésite pas à ne pas mentir sur ton âge. J'ai 2 ans. Précoce pour taper au clavier 2 ans. Ok, celle-là va être chaude. Ouais, c'est trop chaud, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Ah c'était un marin. Ah mais je suis un connard. Dans 2 ans j'étais encore en train de vomir sur ma mère. Dire. Je suis mauvais. Un double. Ah c'était le piège. Pas bon hein. Sur ce mode là, celui-là il est chaud quoi. J'ai écrit 2000 ans, je suis un bloc de briques à jet de 2000 ans. qui possède la parole. Il y a des trucs cachés ou quoi? Je comprends pas, je vois qu'une... Un des blocs de briques avec lequel te frappe un enfant dans ta cave, mais il faut pas le dire. Ah ouais, des enfants qui frappent des gens avec des blocs de briques dans la cave. You missed. That's not like you.
Voilà. Et t'as des... Oh, t'as des enfants dans ta cave. Ah non, j'ai pas d'enfants dans ma cave. J'ai des cartons de merde dans ma cave. Est-ce que je peux faire un... Je peux pas faire un triple kill avec ça? Oh, je la comprends pas cette épreuve, ça me saoule. Je pense qu'on va pouvoir la refaire au retour, mais... Voilà, je suis mauvais. Cell, Annie, aide-moi, je comprends pas ce que je dois faire ici. Ok, ton bonus. Écoute, j'ai vraiment des rats, je t'explique. Ah ouais? Par rapport à quoi? Ah, quel bâtard. La panique! La panique! 5 sur 7? Mais ils sont où les deux derniers? Ok. Je comprends pas, il m'en manque. C'est pas possible. Je veux faire un score négatif. J'explore tout, hein. Moins 1000. Non, non, pas d'autres ici, hein. J'essaie de voir s'il n'y a pas un truc de caché, mais...
Je me suis loupé. J'en ai loupé un. Ça sent le pavé là, il va me sortir un pavé. Un pavé de manif. On va rien comprendre. C'est des rats. C'est des rats de ouf. Ouais, ils abusent. Ils ont abusé de ouf. Skyfall, bonsoir Skyfall. At the Skyfall, remember. Il est où le dernier? Il est où le dernier, la putain de toi? Mais non, pas GG! Il me manque un crâne! Oh, aidez-moi, aidez-moi! Il est où le crâne? J'ai tout fait là! Il manque un crâne sur la fin, je comprends pas! Comment va Skyfall et bienvenue? Quoi de neuf? Skyfall et compagnie. Here's Skyfall. You remember. Il y en a un caché mais je le sais pas, c'est ça? Je change d'angle au cas où. Bah écoute, ça va moi. Amateur de Resident Evil ? Ah, si vous savez où il est, je veux bien que vous me le dites. Je les fais tous là, ça me saoule. À moins que je loupe un qui est caché à un endroit là, à ce moment-là, tu vois. Il y en a un qui est caché. My
Aidez-moi. Au fond, au fond. Au fond. Tout au fond, il y en a. Je serais bigueux à ce point-là, ça serait possible. Hein. Bien dit, je vais chercher la saucisse, mais le jeu est sorti hier. Bon, t'inquiète pas, il y a déjà des solutions qui sont préécrites. Je suis sûr. Je suis en train de saigner des yeux pour essayer de savoir où il est. Hein. Je suis en mode, je m'en fous du score. Hein. Ah mais non! Non, faut que je fasse un score sinon je débloque pas la dernière partie. Ah! Je suis un connard. Je peux pas annuler. On annule! On annule! On annule! On annule! On annule! Merci Skyfall pour le follow et mon alerte qui est complètement dégueulasse. Yes! Alerte box. Ok, attendez, on va rafraîchir le cache de la page. Ah, je suis désolé, t'auras pas une belle alerte. Faudrait que je la refasse de toute façon à un moment. Attends, arrêtez l'épreuve. Ah, voilà, merci. Ok, annulement en cours. J'ai envie de canner. MDR, je unfollow. Tu peux unfollow puis refollow pour essayer de revoir la. Je sais pas si c'est possible. C'est par là. Il y en a un, je loupe, je suis sûr c'est par là. Je suis un connard. Au fond, vous voyez un truc là? Ah, je vois zéro crâne. On l'entend par contre? Franchement, du coup, non. On l'entend? Tu l'entends? Mais comment ça tu l'entends? Il fait pas de bruit, y a pas de bruit de crâne. Oui, 100% de crâne obtenu. Oui, dommage. Aidez, il faut... Ah, oh, il est peut-être... Attendez, je vais reculer. Tac, tac. Bruit de scintillement. Mais non, c'est moi qui quand j'en casse un.
À chaque fois que j'en casse un, il y a le bruit de scintillement. Hein. Connard. Oh, il était caché là. Il était caché. Il était putain de caché. J'en ai où? Mais non. Oh, ça me devient. Oh, je devienne flou. Je devienne flou. Non. Non, non, mais... Comment... Comment that is possible, quoi? J'ai envie de crever. Ouais, ouais. J'ai perdu du score, c'est pas grave. Aidez-moi. J'étais sûr d'en avoir un débloqué, mais j'ai l'impression que non, pas du tout. Pas possible, là, quand je le tue, lui, il doit y avoir un truc à faire. Résultat parfait, bah non, non. Bah non, toujours pas le résultat parfait, non. Celle devienne fou, flou. Je devienne flou. Teste des trucs. Possible. 300, mais ils sont tous à 300 les coffres de fin, donc j'ai eu l'impression qu'on les débloquait, mais pas du tout en fait. Ça serait pas un perso derrière qui bouge pas? Par là, là? Je me disais, mais je sais pas, ça serait un minimum visible quoi. Là je vois rien qui est une autre... Y a rien là, y'a que les rails là, y'en a que deux là. Il y en a des cachés, mais...
saoule. Qu'est-ce que... J'ai trop envie d'aller voir la solution, mais... Je suis un peu trop excité. Et sur les persos en blanc... Les persos en blanc, c'est pas possible parce qu'on s'enlève des points automatiquement, en fait. Non, je pense qu'il est caché derrière un coffre. Comptez avec moi ceux qu'on voit. C'est pas les 300, ceux qu'on voit et sur lesquels je tiens. Comptez avec moi. Ok, donc là, il y en a un. Parce que je pense clairement que... J'en ai vu un pour l'instant, on est d'accord. Deux. Ok. Impossible. Impossible, le temps que je recharge. Ah ! Alors ce qu'on voit. Ouais, je sais pas. Je sais pas hein. C'est mon dernier try, je pense. Ça me fait craquer, je vais pas rester là, je vais rester une demi-heure sur cette épreuve sinon. Là derrière, le mec en blanc, on l'a déjà fait, il y avait rien derrière lui. J'en ai loupé un de toute façon. Y'en a un derrière un coffre là. Il peut être que derrière un perroquet. Que être derrière un perroquet, ça me saoule. J'ai dit que c'était la dernière. J'ai menti. On le savait. Allez, fuck off. Oui. Ton jeu il m'a saoulé, la dernière. Vous voulez qu'on réessaye une dernière fois? Fréquence du bonus de création de mine adhésive, MDR. Vous voulez qu'on fasse une dernière? Non, vous vous foutez juste de ma gueule en fait. Je le sais. Vas-y, on va continuer le jeu. Hein. Go! Ah putain, vous voulez me craquer? Vous voulez que je balance ma souris en fait? Dites-le hein, tout de suite, on lance Dark Souls si vous voulez me voir casser ma souris. Hein. Pas venu ici pour souffrir. Alors, techniquement, il y en a un, je les ken. Tu vois, quand ça traverse à l'envers, ça va.
Marathon Dark Souls soon. Alors, on va faire le 2, le 3, mais on fera pas le 1. Et on fera Bloodborne aussi. On m'a donné le 2 et le 3 à faire comme défi cette année. Attends, il me manquait que celui du coffre, là. Il me manquait que celui du coffre. Il me manquait que celui du coffre. Et j'avais les 7, putain de con de toi. Bon, j'ai envie de canner. Donc, c'est bien sur les perroquets. Il y en a un de caché. Déjà ma main, ma souris qui est moite. Ma main mourie. Ma souris. Les deux sont moites. Hein. Est-ce que c'est l'une ou l'autre qui transpire à cause de moi? La seule qui me manquait. C'est la seule qui me manquait, c'était celle-là. Ah, aussi moite que ma graine. Alors c'est quoi ta... Non, il m'en manquait, il m'en manque. Il m'en manque 6. Ah, je comprends pas, wesh. J'ai fumé la drogue. J'aime cet esprit de tryhard. Et ça me fait chier, je veux une récompense. Je veux ma médaille d'or. C'est ça, l'ami. Alors, ma graine, je crois, c'est autre chose en québécois, en fait. Donc, c'est pas si sale. Peut-être ma bite juste. Oh, ma graine, c'est autre chose, hein. En québécois. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par graine. Hein. Je crois pas forcément que ça veut dire bite ou sperme. Hein. Ça veut dire beat clan, ok, en fait ça veut dire la même chose. J'ai envie de canner. Donc là j'en ai 6. Ouais, 5. Ah, j'en ai loupé un. Une heure de VOD sur ce mini-jeu, ça vous dit? Si ça vous dit pas, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire que je suis insupportable. Presque au niveau d'MV sur Breath of the Wild, hein.
VOD bonus. Bonus, une heure de mini-jeu. J'ai envie de canner. Oh. Just do it. C'est-à-dire bit gland, ok, donc c'est bien ça, c'est ma graine. Ta graine est sale, Annie. Elle va te laver, hein. C'est pas parce que t'as plus de boulot qu'il faut pas te laver, hein. J'en ai marre. J'en ai trop marre. J'ai envie de canner, putain. On va y arriver, hein. À un moment, par accident, tu vois. Sur un malentendu, je vais faire les 7, j'aurais pas compris comment, quoi. Comme d'habitude. Parfaitement détendu. Ouais, mais le dernier j'y arrive pas. Le dernier il me rend flou. Vous voulez que j'aille voir l'astuce? Non, il va falloir que je... En fait, le dernier, j'y arrive pas. Pas parce que j'arrive pas à viser. Juste parce que je sais pas où viser, quoi. Cette musique, je l'aime bien, hein, mais elle commence à me... Elle va me faire avoir des flashbacks du Vietnam au bout d'un moment.
Ouais, j'abandonne. J'abandonne, je sais pas où il est. Je reviendrai plus tard. Non, je vais devenir fou. Je vais devenir complètement fou. Attends, quoi? Je sais il est où. Comment ça tu sais il est où? Ok, vas-y. Dans ton cul. Merci. The bonus one will trigger starts by shooting the skull in the far right corner and to the chest on the far left to reveal another skull behind. On the far left... Alors, the bonus start by shooting the skull in the far right corner and to the far left to reveal another skull behind. Three parrots will fly across the top of the gallery. They are to hit, but the third carried a skull that you need to hit the full bonus. Mais sur celui-là, sur l'épreuve 1C. Vas-y, on va essayer. Far right, far left, c'est ça? Mais ça correspond pas en fait aux positions des perroquets sur... Ah non, attends. Je suis en train de devenir fou. Je coupe ma cam juste 2 secondes en attendant qu'il me trouve un truc. Parce qu'en vrai, je suis pas trop dégueu. Un C, voilà, un C. Là, ce que tu me décris, j'ai l'impression que c'est la 1B ou la 1A. Je deviens fou. When a line of sailors appears, the rifle to hit pirates as they pass the center of the gallery. One of the crossing pair has a skull at head level. After hitting a pirate in barrel through another pirate, switch back to the pistol to hit the spining key pirate. Ok, ouais, ça je l'ai fait ça. Articulation one lives with the skull, the bonus round is chaotic, but comparatively easy. Use the pistol to hit the skull carried by the parrot. Utilisez le pistolet to hit the skull carried by the parrot. The skull carried. Ah, le crâne porté par les perroquets et le... Ok. Then shoot as many targets as you can before time run. Alors, attends, quoi? Quand la ligne des marins apparaît, utilise le sniper pour niquer le pirate qui est au milieu de la galerie. Donc ça, c'est le premier. One of the crossing pair has a skull at head level. D'accord, ouais, ok. Ça, c'est le deuxième. After hitting a pirate in barrel through another pirate, switch back to the pistol to hit the spinning pirate. Ok, ça on l'a fait. Particularly the one on the left with a skull. The bonus rule in chaos, but comparatively easy. Use the skull by... Ouais. And then just shoot as many targets as you can before time run out. Ouais, ouais. Oui, bah oui, oui, mais... Ah bon, je suis bon pour arrêter l'épreuve. Il est en train de me dire... Donc, use the pistol to hit the, pour utiliser le pistol. Le, ouais, sur les canons. Hein.
Je commence à m'exciter un peu trop, je commence à perdre patience, j'ai l'impression. Bah ouais ouais, c'est ce qu'il y a, y a rien de particulier, mais il en manque un. Il en manque un putain de 1. Et tu shootes les deux là qui se croisent. Et j'en ai deux de moins. Et j'en ai deux de moins. J'ai exactement. Allez, je me casse. J'ai fait toutes les cibles. Quoi? Ah, attends. Ah. For this challenge, you need to swap between the... The first pirate in the barrel. Shoot the barrel twice to reveal the skull underneath. Fils de chien! Putain! Désolé, j'ai été vulgaire. Dame! Sale bête! Merci Annie. Non, parce qu'on allait rester une heure là. Déjà, je crois qu'on est resté une demi-heure. Enfin, c'est pas du skill résultat, c'est juste de la putasserie quoi. Ok, maintenant faut que je sois bon, c'est tout. Non, attends, on sait maintenant. J'étais censé apporter l'équilibre dans la force. C'est bon, maintenant on devrait y arriver tranquille, on devrait y arriver tranquille. Maintenant, c'est le moment où je vais foirer toutes les autres, quoi. Putain. Ah, c'est le moment où je sais tout maintenant que ça part en couille. J'ai failli le louper, hein.
J'ai failli le louper, on m'a vu hein. On respire, on y croit. Je l'ai cleané. Dame. Dame, dame, dame. Bon, celui-là, il est pas parfait, parfait, mais bah les couilles. Hein. C'est bon, les médailles rouges, je m'en fous. Total. Pouf. Combien de temps? Ah putain. Ça fait 52 minutes que je suis là-dessus. Hein. La VOD va être un peu longue. Louis Serra. Prix de revente des armes 20%. Ah putain, je m'en fous en vrai. Docteur Salvador. Fréquence du bonus de création des munitions de fusil. Bah en vrai, on va. Il y a des trucs plus intéressants, je crois, à mettre. Dame. Est-ce que je finis la VOD comme ça? Je l'appellerai VOD bonus. J'ai pas vu le temps. Mais en vrai, j'ai pas vu le temps passer. Ah putain. Prix de revente des objets de soins. Fréquence du bonus de création de carreaux. Mettre à gauche. Non, ça je l'ai déjà. Prix du lance-roquette, moins 20%. Prix de revente des armes. Prix de revente des objets de soins 100%. Prix de revente des armes, ça on s'en fout. Fréquence du bonus de création de mine adhésive. Fréquence de bonus de création de mine à droite. À gauche. À gauche. Parce que là c'était quoi? C'était celui-là, celui du fusil à pompe. Mettre à gauche, retirer. Donc création de munitions de fusil, de carreaux et de pistolet. Ça c'est bien ça. Yo Tano, comment va? Le carreau ça m'intéresse. En vrai j'ai envie d'augmenter ma résistance du couteau surtout. Qui est ultra intéressante. Bien et toi? Eh ben écoute, je viens de passer une heure à faire un mini-jeu pour essayer de le clean. Ça m'a rendu fou. En vrai j'ai pas passé une heure à faire le mini-jeu. J'ai passé une heure à faire une des épreuves que j'arrivais pas à finir à 100%. Augmente la puissance et la portée de l'explosion. Le rechargement est un peu lame. Ça je le garde. Rechargement, je pars sur quoi? Est-ce que j'augmente la résistance? Donc je peux passer sans me spoil. D'accord, ok. Cool. Village lac aussi? Ah, tu dis village et ensuite château, d'accord, ok. J'ai envie de garnir de la thune à chaque fois, en fait, au cas où j'ai des promos à un moment. Dang. Ok. Donc moi, il faut que j'aille là. Ils me disent en bas, il y a un truc là. Attends, mais... Les médaillons... Comment je change à TG? Ok, il y a toute cette partie-là que j'ai pas faite. Là, on vient d'ouvrir cette partie-là. Ok. Ah, t'as pas trop galéré sur le mini-jeu? Boulou boulou boulou.
Bonjour, il vous faut une clé. Vous pouvez aller vous faire foutre. Il n'y a rien ici hein, pour l'instant, j'ai l'impression. Il y a un truc ici là. J'entends un connard. Ah, il est caché. Parce qu'à 8h30 du match, j'ai joué, ça va, le jeu est cool. J'avais été un peu déçu par la démo. Bah moi, j'ai pas été déçu par la démo, je l'ai pas faite. J'ai vu rapidement... Bah la démo, en fait, a été ultra courte. Mais au final, le début est très... En fait, la démo, c'était vraiment le début de l'original, alors que le début est complètement différent, quoi. Ah, moi, je kiffe, hein. Moi, vraiment, je redécouvre un jeu, c'est très... J'ai pas fait ça. M'avait toujours souligné le stand de tir. Ah ouais? Ah non, mais moi, je suis en mode... Le pognon. Je suis comment dans mon inventaire? Eh, je suis mal dans mon inventaire. En vrai. J'ai beaucoup trop de merde sur moi, quoi. Putain, je peux pas faire des munitions, hein. Si, je peux faire des munitions, cartouches de fusil à pompe. Munitions de fusil, carreaux, ah ouais, il me faut des couteaux en plus. Munitions de fusil à pompe, j'en ai 5, je vais en refaire, hop, comme ça. Hop. La grenade flash, je la garde au cas où. Ah non, moi j'aimais bien le petit mini-jeu en vrai. J'aime bien les challenges, j'aime bien ça. Le pont combien avec tous les trésors, plus le bonus d'argent à la manette. Le bonus d'argent à la manette? T'as un bonus d'argent pour la manette? Ah mais moi je l'ai pas ça. Version de Luc je crois. Ah ouais non mais moi j'ai pas pris la version de Luc, j'avais juste ce qu'il fallait. C'était pas raisonnable. Il y avait la carte au trésor et des trucs en plus. Mais je comprends même pas. En fait, c'est pas clair. En fait, quand tu regardais le Deluxe, la manette, tu sais, les petits porte-clés, ils te disent juste, ouais, vous avez des porte-clés en plus. Oh, le gros bébé. C'était quoi? Oh, c'est juste une carte qui est un peu grosse. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Oui. Oh, on voit le château de là. Ah, le petit côté Dark Souls. Rien d'autre. J'ai des trésors d'extension. Ouais, bah la version de luxe, ouais, elle donne une carte au trésor. Une carte au trésor supplémentaire pour trouver du pognon. I know. Et en vrai, tu peux l'acheter à part, mais j'étais en mode. Pff. Non, je veux le faire en normal. Peut-être si je le fais en hardcore, ça sera intéressant. Nous avons celui des groupes électrogènes dans le bâtiment de traitement de ferme piscicole, n'importe quelle quantité dont vous avez besoin. Ah, j'aurais dû acheter les capacités de chargeur de l'arbalète. Il y a tellement de chemin, je me souviens plus qu'il y avait autant de chemin. Oh là, ça a l'air d'être le bordel par ici. C'est quoi mes objectifs en fait, résultat là? Traverser le lac. Ah, la ferme piscicole, donc résultat, je récupère. Ah putain. Oh. I don't like that. Ça a quelque chose que je le fume le poisson. Hein. Black bass, what? Ok.
Comment je me... Déjà, il va un peu plus vite dans l'eau. Ding ! Petit coup de couteau, vas-y, fais dodo. Un peu de poudre noire. Un peu de repérage par là. Ah mais j'ai plus de place. J'ai plus du tout de place là, c'est un peu la crise. Attends, je peux pas envoyer, je peux envoyer des trucs au coffre, mettre en raccourci, jeter. Ah non, je croyais. On va faire ça. Hein. On va faire une herbe verte comme ça. Oh, j'ai plus de mât, j'ai plus de place. Il y a un gros tas de merde là dans le coin. Ça marche? Ça marche sur le gros tas de merde? Oh, ça marche sur le gros tas de merde! Trop bien! Dans un autre jeu, ils auraient dit « Ouais, frère, c'est chaud, il est quand même un peu plus gros que toi, là, fais gaffe à ton boule, s'il te plaît, s'il te plaît. » Ouais, j'aime bien pouvoir avoir cette capacité d'infiltration un peu. Ah! Plus d'infiltration, plus d'infiltration! Aïe! Attends, je vais utiliser mes vraies balles. Not bad, right? Il est où le connard? Oh non! Bon, c'est pas grave, j'ai un petit teuf! En fait, vous avez le son du jour, on est d'accord. Sait-on jamais. Sadler. Moi, je venais de là. Non, je venais de là. Ok. Pesetas. Oh, il y a encore du monde là-bas, non? J'ai l'impression... Le marchand il va me demander des poissons aussi. On veut des petites takoyaki là, il faut de la bonite séchée un peu. Mais ferme là. Oula, ça, j'ai une petite perte d'FPS là. Attendez, j'ai vu un serpent au sol là. Je vois les boys derrière. Oh le débile. Ah mais c'est débile. Oh
Oum. Ah non. Non non non. Mais wesh, t'es fait en Kevlar dans ton dans ta tête toi. Oh, attendez, attendez, de toute façon on va se soigner. Utiliser. J'ai beaucoup trop de grenades. Ah, je peux faire des carreaux. Je peux faire des carreaux, vas-y, on va faire des carreaux. Voilà, c'est parfait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de grenades. Alors, j'ai deux vipères. Pas marqué. Alors, attendez. Requête. Destruction de médaillon, ouais. Profanation, vipère à point. Faut que j'en ramène une autre. Ça, c'est pas un problème, j'en ai assez. Résultat, j'en ai même trop, en fait. Fabriquer. Ah ah. Bah non, je la laisse au sol, hein. Table velours. Quittez, toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bonjour, madame. Excusez-moi, vous êtes un... Vous êtes... Waouh. Un peu chaud, de... Ok, c'est bon. Couteau de cuisine. Ah ah. Je peux en refaire des carreaux? Vas-y, je vais refaire des carreaux. Je commence à avoir un petit stock de carreaux en vrai. Très 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 plaisant. Il me faudrait un coffre. Fallait que je m'en prenne au moins une dans le jeu. C'est la première que je me prends dans le jeu. J'ai envie de les garder, les vipères, les poissons aussi. Ah ouais, mais si je dois tout refaire aussi. Est-ce que je vais en avoir besoin d'autres à quoi après? Là, il y avait une autre vipère. Ok, il n'y a rien par là. Rien par là. Ça. Rien ici. Il y a le ballon, il y a le bidon là ici. J'ai entendu un... Bien sûr, il y a une petite tronçonneuse qui se balade dans les environs. Dis-moi. Touche de fusil à pompe. Passé loin, je l'ai entendu vraiment au dernier moment. Donde está la mañana? Aïe! Va les loulous! Ah, mamie? Oh, oh, c'était un beauté de chop ça. Ceci. Est-ce qu'il y a des trucs que je verrais pas ici qu'il pourrait y avoir? Non, je pourrais rien d'autre. Hein. Juste récupérer le truc en dessous là. Ding. Les étasses, ferraille. Mais vous me donnez trop de trucs, putain! Je suis plein là. Ah, je suis plein. En enfer. Cognon.
Ouais, reste au sol, s'il te plaît. Ne te transforme pas en Bible Black. C'est bon. J'ai plus l'âge des hentai. Merci. Cordialement, dit Monsieur Cell. Ok, bon, je me suis fait à peu près tout le monde. Ah, l'arbalète. L'arbalète, c'est vraiment... une dinguerie, c'est abusé même. C'est même trop, quoi. Pas me débarrasser de ces trop de grenades. Les grenades flash, est-ce que je les garde? Non, vas-y, on va la jeter. Ouais, on va la jeter parce que je veux récupérer la vipère là. Prendre une petite clé. Oh, that good. Ça te coûte. Ah non, il faut utiliser des vraies balles. La vipère, par contre, je la récupère pas. Mais c'était pas celle qui était là? Attends, j'ai beaucoup trop de vipères. Œuf de poule. Eh, franchement, exactement ce qu'il me fallait. Manger un œuf. Les étaves 400. Carburant pour bateau. Merci de pas m'avoir remis les objets clés dans les inventaires obligatoires. Putain, quel plaisir. Putain, c'était un enfer dans Resident Evil 3. Ah, il y en a un là, je l'ai zappé. Ça, c'est quoi ça ici? Il est où? Il y a un trésor là-bas, mais je crois que... Il est où là, le connard? J'ai des carreaux partout. Il est où? Ah, il y a ça aussi ici. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une herbe verte? Ah ouais, non, mais non. Là, je vais devoir faire des allers-retours. Une petite pipe ancienne. Qui est censé être par là. Je rêve où le poisson il a essayé de me becquer là. Il est censé être dans le coin là. Mais il y a un coffre ici, MDR. Comment on y accède par ici là? Ah oui, tout simplement. Effectivement. Je pue. Pièce hexagonale B. Ok. Très étrange. Ah ouais? Vraiment? On peut pas. Chelou. Bah, qu'est-ce que tu ranges dans le coffre alors? Bah si, si, j'en ai mis. Que les armes. Bah non, non, j'ai mis des herbes. Ah non, non, j'en ai mis hier. Ou peut-être que c'est des herbes transformées que j'ai mises. Ah, c'est peut-être les sprays que j'ai mis. Hein, c'est des sprays que j'ai mis, je crois. Je crois que c'est les sprays. Les sprays et les armes. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est bizarre comme choix de... C'est débile, en fait. C'est un peu particulier.
Hop, retour chez le marchand. Attends, je peux retourner chez le marchand. Oui, oui, c'est bon, il y a une échelle. Alors, résultat. Alors. Résultat coffre. Et effectivement, il y a plein de trucs que je peux pas mettre en fait. MDR, je peux pas mettre les grenades. C'est nul. Il force. Il force de ouf. C'est ultra chelou, c'est nul. Fréquence du bonus de création de munitions de fusée. Création de pistolet. Ouais. C'est nul, j'avais pas capté. Résultat, les vipères là. This is what I'm talking about. Fine work. Voilà. Vipères. Ah, ça me fait 2000 à chaque fois que je ramasse une vipère. Ah, avec le truc à 100 là. Le modificateur de revente d'objets de machin. Je me fais énormément de tulle en fait. L'œuf de poule, on va le garder. Mission pistolet, Dr. Salvador. On augmente la puissance, baleinois. Alors, fais voir, j'ai quoi en trésor là? Dame? Ah, mais résultat, je me retrouve dans la merde avec ce stock de munitions et d'armes en fait. C'est problématique. J'ai beaucoup trop de grenades, putain! Je suis dans la sauce! Ah, je suis dans la sauce de ouf! Ça, on peut rien mettre dessus là? Examiner. Puis, par la qualité de la fabrication exceptionnelle, objet destiné à être vendu. On peut rien mettre dessus, on peut pas la sortir ou quoi que ce soit là, ok. Alors, il y avait un coffre, je crois, en bas avec qui s'ouvre avec une petite clé, on va l'ouvrir directement. Hop, montre à gousser et qui ne rajoute rien du tout. Ok, qui ne rajoute rien du tout. Les grenades, en vrai, quand tu tombes sur contre un boss, tu lances tout d'un coup et déjà presque out. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que je les garde en fait. Soit un boss, soit mini boss. Vendre. Alors résultat, j'ai la pipe, j'ai la montre, j'ai deux bleus velours. Voilà, 48 pesetas. Maintenant, on va modifier ça. J'ai augmenté la résistance, la puissance, bof. Capacité, la capacité, ouais, ça serait pas déconnant, cadence de tir. En vrai, j'ai envie de me focus là-dessus. C'est le plus rentable. Mais résultat, ouais, je suis bloqué quoi. Je peux rien mettre. Mais c'est bizarre parce que hier je pouvais mettre des trucs dans le coffre directement. Y a que mes sprays. C'est chiant. Putain, résultat. C'est chiant. C'est chiant, ça m'oblige à faire. Ah, je suis obligé de rester sur des sur un type d'arme spécifique quoi. Oh. Du coup, direct coffre. Je l'ai pas utilisé, moi j'ai tiré 3 carreaux et rien qui est touché, j'ai l'impression que les carreaux partent à 2 à l'heure. Ah ouais? Ah moi je le trouve vraiment Bah oui, c'est bizarre. En vrai contre un peu d'ennemis ça va. Mais contre beaucoup d'ennemis c'est pas ouf quoi. Oh non mais non mais. Mais non mais descends pas connard. Ouais, je comprends.
Je sais pas, moi ça marche plutôt bien, hein, mais je vais pas les utiliser contre les gros ennemis, quoi. C'est vraiment économisé pour. Résultat, là il y a moyen que je me fasse de. Là on est en mode. On va faire un peu de chasse, hein, en fait. Vu que ça, je peux leur vendre au double de son prix, ça peut me faire un peu d'argent. Les vipères à se revendre à 2000. J'en avais trouvé une dans. Il y en avait dans le coin. Il y a tout qui a disparu là? Est-ce que j'ai changé de zone? La vipère, elle se revend à 2000, désolé, hein, ça va être des moments un peu chiants. Hop. Après, je joue manette comme je joue sur ma TV. Donc c'est un peu plus relou à viser. Alors ça, par contre, je te l'accorde, ça doit pas être... Y'a pas une aide à viser un peu simple? Là, tu joues sur PS5? Y'a pas une couleuvre ici? Ah, y'a une vipère ici. Voilà. Ah. Si j'ai mis la plus petite aide. D'accord, ok. En vrai, en plus, elle a l'air d'avoir une zone assez large. Mais faut regarder que le petit trait, quoi. Tac, tac, tac. Tac. Là, j'ai laissé de la ferraille ici. Petit hôtel, ok. J'essaie de la ferraille là-bas, d'accord. Non PC, mais j'ai mis le jeu sur la télé. D'accord, ok. Ok. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas branché un PC sur une télé maintenant. Il y a vraiment tous les postes, ils sont propres à leurs propres utilisations. Mon PC, c'est mon PC. Ouais, avant j'avais beaucoup... Mais souvent j'avais un PC, PC d'ordi portable, donc c'était beaucoup plus simple. Je jouais les trois. Non, c'est vrai que j'ai eu une tour que je branchais et je déplaçais de ma télé sur ma télé. Ah non, même pas, en fait, j'avais pas de bureau. En fait, j'avais juste un fauteuil, j'avais acheté une planche. Je posais ça sur mes accoudoirs. Je me mettais comme ça et ça me servait de bureau en clavier souris, quoi. Moi, je fais tous les jeux solo sur la télé et juste tout à côté. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ensuite, c'était l'installation. Moi, il y a un étage entre les deux, quoi. Oh, il y a un peu moins de place, quoi. Il faudrait un grand câble. Je sais qu'on peut... Ouais, c'est vrai qu'il y a... je sais plus c'est quoi, c'est pas l'Apple TV, c'est autre chose. Ça permet de... Voilà. Trop bien. Hop. Et le Black Base. Voilà. Ça me fait un petit 7000. Facilement. Anytime. Come back anytime. Ah, je préférais quand même l'ancien doublage, mais ça c'est être juste un vieux con, quoi. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est juste moi, je suis un vieux con. Prix du bonus de création de munitions de fusil, ouais. Mettre à gauche. Donc déjà c'est ça, munitions de fusil, munitions de carreau, munitions de pistolet. Ah, résultat, avec le petit truc là, bonus, alors c'est complètement broken. Parce que résultat, j'ai un médaillot qui, lorsque tu recharges, peut te créer une munition supplémentaire. Donc si tu la tires et que tu peux la récupérer, c'est broken. C'est complètement broken. Je vais sauvegarder, je vais me prendre une pause en vrai. Je vais me prendre une micro-pause, je vais aller aux toilettes, je vais me chercher à boire, je vais me chercher à manger. Voilà. Bon, on a fait une petite zone, désolé, hein, la VOD. On a fait une petite zone. Et on a fait beaucoup du jeu, du mini-jeu. Ça sera, le nom de la VOD, ça sera sûrement le putain de crâne de tes morts.
Le crâne de tes morts, c'est, ça sera sûrement ça. Le crâne de tes morts. Voilà. Retiens, regarde, toi là. Toi qui regardes la VOD. Moi-même, dans le futur. What are you buying? En vrai, un cosplay, je pense que je... Hey, notez la voix sur 20, ça va? J'imite bien, hein? Pas dans, dans celui-là, mais dans l'original, pour ceux qui connaissent. Sur cela, Audible, je vous fais des gros bisous salés. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, ça me fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, les recettes, les cuisines ferment leurs portes. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine VOD sur Resident Evil 4.